Bonjour à tous et bienvenue dans cette 7ème partie sur Troy Total War Saga, et vous remarquerez que pour une fois, j'ai réussi à le dire à peu près correctement. Donc on se retrouve pour la 7ème partie, je l'ai déjà dit, mais entre temps, il y a eu un nouveau DLC sur Ajax et Diomède, comme vous pouvez le constater en arrière-fond, avec de nouvelles unités assez prometteuses, ce bel Ajax, n'est-ce pas, et ce magnifique Diomède légèrement plus petit, mais néanmoins tous les deux ont l'air de faire du sale. Ceci dit, on n'est pas là pour ça. Et en plus, je ne sais pas combien ça coûte. Nous, on va continuer toujours avec notre petite campagne sur Achille, qui prend son temps, tranquillement. Mais, voilà, qui se construit de manière intelligente, de manière posée. Puisque je rappelle, le but de cette campagne, c'est de faire quelque chose que vous pourrez vous mettre en fond quand, par exemple, je ne sais pas, vous êtes en télétravail. Si par exemple vous êtes en télétravail, en train de faire du bricolage, ou en train de niquer votre femme, je ne sais que dire, je ne sais que faire, je ne sais quoi, je ne sais pas exactement, voilà, c'est quelque chose que vous pourrez mettre en fond à un moment que vous voudrez, ou au pire, si vous voulez regarder des let's play de 1 heure, si ça vous amuse, bah écoutez, grand bien vous fasse, vous aurez du coup cette playlist pour vous satisfaire. Donc aux dernières nouvelles, on avait entamé le combat avec... On avait entamé le combat avec, comment ils s'appellent déjà, ceux qui sont de l'autre côté, les Troyens tout à fait. On avait engagé le combat et ça commençait mal avec la Dardanie si je ne m'abuse, puisqu'elle avait récupéré des villes à moi en bas, qui m'alimentaient pour pas mal de ressources, comme entre autres la nourriture. Et du coup c'était un peu compliqué au niveau des armées, ça commençait à être tendu. Je me suis fait casser la gueule également par les mecs qui sont perdus sur une île complètement de l'autre côté, et ce chargement commence à devenir extrêmement long, parce que vous voyez ça fait au moins facilement 30 secondes, je n'ai pas compté exactement, mais ça fait au moins 30 secondes qu'on y est, et on y est toujours, c'est terrible. Mais sinon non, du coup, voilà, donc comme je disais, je me suis fait péter la gueule sur l'île là qui est au fin fond par les derniers mecs relous qui restent en guerre avec moi. Et ça d'ailleurs, ça me casse un petit peu les noix parce que, bah, en fait, c'est le... ils vont continuer à me faire chier en fait, ça c'est sûr. Ils vont continuer à me faire chier et au bout d'un moment, voilà quoi. Donc je disais, donc cette toute petite île qui est toute au fond, juste ici, va me casser les roupettes, si je puis me permettre. Voilà. Donc, je ne sais pas trop ce qu'on va en foutre. Parce que, à mon avis... Ouais, une traitée de paix, ils vont pas vouloir. Et si je leur dis trouver une solution? Ils veulent de la bouffe, de l'or, de pierre... non. Pas déconner non plus. Parce que je vois qu'ils sont également en guerre avec Sparte. Mycène, qui est juste là. Bon, Lafti, ça c'est moi. Et Trézène. Trézène, je ne sais pas où c'est. Mais Trézène, on s'en tape. Pour le moment, puisque de toute façon, il y a Ita qui est là qui devrait faire rempart. Donc on va partir du principe que nous, on est tranquille. Et comme ça, ils viendront pas nous casser les roupettes. Ah. Alors, donc là, il faut que je fasse des bâtiments qui font de la ressource, mais... Alors, pas de la croissance en moins, parce que la croissance, j'en ai besoin. Pas, certainement pas le bonheur, à moins ce sera encore pire. Non, mais vous savez quoi, on va faire les petits bateaux. Les petits bateaux qui vont sur l'eau. Ensuite, ici, on a besoin de nourriture. Très bien, ça coûte de la pierre, merveilleux, je n'en ai pas. Et enfin, alors, est-ce que j'ai des traités en cours qui font que... Nombre d'armées, 3. J'avais 4 armées. En comptant celle qui s'est fait défoncer au... Ah ouais. Ah oui, d'accord. Eh bien, c'est très bien, comme ça, de toute façon, on va pouvoir récupérer toutes ces petites villes. Pourquoi je n'ai pas récupéré Iolcos? Ah oui, parce que je crois... Ah oui, j'attendais que mon armée vienne ici, pour qu'on puisse prendre Iolcos plus facilement. Ouais, c'est ça, normalement. Désolé, hein, mais mes let's play sur la campagne, c'est vrai que je l'ai fait très longtemps plus tard, donc du coup, je ne me rappelle plus, je me rappelle plus le contexte. Il faut que, il faut que le contexte revienne, si vous voulez, c'est très compliqué, ça met du temps, et en plus, je commence à approcher de la trentaine. C'est terrible, hein, la mémoire à mon âge. Bref, donc du coup, on s'emmerde. Alors, une forge de bronze. Combien on est en bronze? Ah oui. Oui. Je confirme, je vais avoir besoin de la forge. Est-ce qu'on est à moins 294? Comment ça se fait qu'on est autant en moins, là? Ah, c'est pas parce que j'ai perdu une ville? Bah non. Comment ça se fait? J'ai perdu une ville qui produit du bronze? Attends. Non, non. Peut-être celle-là. Ah oui, c'est parce que j'avais perdu cette ville-là, je crois. Il me semble. Ouais. Ou un truc du genre, en tout cas, je sais plus. Alors attendez, parce que du coup, ça va être construit. Ça va faire plus 76. Ok, très bien. Bon, là, de toute façon, dans tous les cas, il va me falloir un autre bâtiment, c'est sûr. Et accessoirement...
pire, je ferai celui-là après. Quoique. Ah, mais non, je suis à plus 67, je peux pas me permettre d'avoir de la croissance en moins. La croissance, c'est la vie, les enfants. Faites pas la même erreur que moi. Pendant très longtemps, j'ai mis ça de côté. Mais en fait, ça fait tout. La croissance, ça fait tout. Une fois qu'on l'a, après, c'est open bar. Oui, Achille. Ah, c'est vrai, je l'ai envoyé péter la gueule de l'autre. Merde, est-ce que je peux le voir, ça? Triompher de tous vos rivaux pendant... Non plus. Voilà, c'est dans Légende Vivante. Oui, Achille. Ouais, mon héros, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Un cul lors d'une balade. Oh! Affronter, battez tous les rivaux pour gagner moins 20%. Ah oui! Ah oui, ça c'est pas négligeable, ça, d'aller casser la gueule de tous ces gens. Mais ce que je voudrais bien savoir, moi, c'est où est Achille, en fait. Puisque là, du coup... Alors, Achille... Là, il est en quoi? En Achille impétueux. Non, c'est bon. Antagoniste. Bon, ça, c'est Paris 2-3, on s'en fout. En plus, au niveau équilibre de force, on est moite-moite. La volonté divine. Ah, les cultes, ils sont pas ouf, hein. Comment ça se fait? Ça, j'ai pas de temple. C'est quoi, ce bordel? Alors, qu'est-ce que je pourrais faire? Non, ça sert à rien. Ouais, c'est toujours mieux que rien. Vas-y, c'est parti. Effectivement, il y a eu une mage entre-temps. Il n'y avait pas ce petit machin qui s'affichait là quand... Ouais. Il y a eu quelque chose, effectivement. Il y a eu, du changement, ça c'est sûr. Mais ça, normalement, c'était Achille, parce que là, c'est pas censé être lui. Ah, et lui qui avait gagné une bataille incroyable. Non, je confonds. Rien à voir. Il y a des nouveaux trucs, hein. Il y a vraiment des nouveaux trucs. Bon, bah écoutez, vous savez quoi? On va découvrir tous ces changements ensemble, c'est merveilleux. Alors. Ah. Ah merde, j'avais tout ça. Putain, chier. Elle est où la ville de bois, là? Non, la ville de bronze, pardon. Voilà. Tac. Est-ce que je peux faire autre chose? Construction disponible, oui. À Istier. À Istier, est-ce que ça vaut vraiment le coup? Alors, si mes souvenirs sont bons, lui... Il a une armée qui est un peu relou. Putain, c'est vrai, ils ont repris toutes mes villes, c'est chiant. Ça c'est pas cool, ça. Pas cool du tout, les gars. Et eux... Ah, putain, ils sont potes avec eux, là. Ah, ils sont alliés militaires avec les miniens, fait chier. Casse les couilles. Bon, déjà, l'important, c'est de reprendre au moins Serint. Ça, c'est le but principal maintenant. Eux, ils avaient réussi à se débrouiller. Est-ce que ça vaut vraiment le coup? Statue d'Achille. Plus de recrutement. Vos armées dans cette province? Vos armées dans cette province? Non. Qu'est-ce que je pourrais faire ici? L'influence, la croissance. Ouf. Plus 5 de bois. Tous les bâtiments. Pas intéressant, sachant que ça, c'est de la... pour la nourriture. Oh, quand j'aurai ces unités-là. Les épéistes Myrmidon, les lanciers, les loups de merde et saliens, ça va chier. Ça va faire tellement mal. Les chars renforcés aussi, c'est pas mal. Hein. J'ai eu l'occasion de les essayer dans une autre escarmouche à part, qui n'a rien à voir. Franchement, c'est pas dégueu. C'est pas dégueu, c'est pas dégueu. Alors, les épées. Oh là 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 là. Mais regardez-moi toutes ces unités de bâtards là. Ah là là. Que faire, que faire. Que fait. On va prendre le hall. Pour l'influence. Force d'influence. Nous allons devenir dire aujourd'hui. Un influenceur. Et c'est parti, on change de tour. Donc la Dardanie qui continue de jouer ses petits pions et qui continue de venir me casser les roupettes, bien évidemment. Avec de la chance, elle va peut-être venir reprendre la ville. Je ne sais pas s'ils sont en guerre avec les autres, là, qui ont pris la petite ville en bas. Mais... Oh non, vous doutez bien qu'un traité de paix ne va pas être faisable dans le contexte actuel. C'est impensable, c'est improbable. Voyons, soyons réalistes, monsieur, je vous prie. Ah!
Ah ouais, mais là... Non, là, je me fais défoncer. Je me fais... Ah, quoique... Quoique... Putain, ils ont quoi? Lancier bouclier? Ah ouais, mais non. Ah, puis en plus, ils ont Ajax. Ouais, c'est mort. Ah, fait chier, putain. Pas croyable, ça. Voilà. Ça commence mal. Bah, c'était sûr, ça. Mais oui. Ah! Bon, ça va. Si c'est juste le pacte d'accès militaire, ça me va. Pas trop méchant. Alors, je ne sais pas pourquoi je les vois, eux, maintenant. Alors, plus 5 à la croissance, plus 20% à l'efficacité, plus 5 au bonheur. Ouh. Ah! Un trésor minoïen ancien. Ah, mais c'est pour 2 tours. Je vais prendre l'influence. À bout. Sinon, c'est quoi? Ah, quand même. Ah, mais non. Ah non, tant pis. Fais chier, mais... Putain, 300 de pierres, déjà... Ah, mais je ne peux pas. Je n'ai pas les moyens. Oh, 8 tours. Avec 30% de ressources en moins. C'est une blague. Ah, c'est une catastrophe. Mais je sais même pas où il est, là. Achille, il casse les burnes. Il est pas dans le stock, là. Dans un tour. Dans un tour, l'autre con, il revient, là. Putain. Pff, il me saoule, là. Se comportait comme une diva, là. Casse les couilles. Alors, attends. Embuscade, 45. Là, ça va être 45 aussi. Eh ouais, mais c'est de la plaine, c'est de la merde. Bon, bah, on va tenter quand même. On va tenter quand même, parce que l'embuscade, c'est quand même la vie. Et avec de la chance, l'armée des connards, là, va venir s'empaler juste là. Putain, comment je peux faire pour le choper, lui, ça me saoule. Bon, ça, c'est bon, on n'en parle plus. Allez, zou. Ou alors, sinon, je prends quand même l'autre ville. Je sais pas pourquoi j'avais fait ce move, là. Pourquoi j'ai pas pris la ville? Mais elle devait être vraiment... elle devait avoir quelque chose, c'est pas possible. Sinon, je l'aurais... Oh, attends. Non, c'est bon, tout va bien. Ouf, j'ai eu vraiment peur. Alors, donc ça, c'est une ville qui fait des centaures. Est-ce qu'on s'en bat pas un peu les steaks? C'est quoi, Melibé? Ville de tailleur de pierre? Ah non, ça dégage, ça. Ça dégage, ça se fait. Pourquoi? Je sais pas. Ah, c'est parce que je voulais tenter de les choper en marche forcée, je pense. Ah! Ouf. On va tenter, et au pire des cas, ça viendra les attirer ici comme des mouches. Comme ça, nous, ça nous laissera le temps de reculer. Et ça me laissera l'occasion de venir avec ma seconde armée au prochain tour pour récupérer cette ville. Et là, ça pourrait être pas mal, je pense. Alors. Territoire ennemi, ou plus 7%. Attendez un peu. Déverrouiller ses compétences. Ah non, d'accord. Donc plus 7% en territoire allié ou plus 4% en territoire ennemi. Ouais, territoire ennemi direct. On est d'accord. Alors, construction disponible, ok. Ça, on s'en fout. Alors, là par contre, ça va devenir très important. Et je n'ai toujours pas de pierre, c'est merveilleux. Attends, je suis combien? Je suis à 108. 108, je peux me permettre de faire au moins une cabane. Attends, terre agricole. Ah oui, c'est pas le... C'est pas la poïka, là, ou je sais pas quoi, là. Rien à voir. Ah mais non, ça fait chier, putain. Moins 4 à l'influence. Ah, je voudrais faire les apoïka, mais... putain. Je vais commencer à être en manque de bronze et ça va pas du tout. Ça me fait chier comme la peste. Comment ça se fait que j'ai pas de bronze là? Putain, c'est quoi ce bazar? C'est les troncs, pourtant j'ai bien ça. Bon voilà. Avant d'avoir tout ça, il y en a pour un moment. Là ouais. Bah, l'influence à mon avis elle est pas bonne. Bon, elle est en train d'augmenter donc ça va. Mais du coup, ouais, je suis pas à plus machin.
Ici, qu'est-ce que je peux faire? Pas grand-chose, hein. À la rigueur, de toute façon, je suis déjà niveau 2. Non, je suis pas encore niveau 2. 18 tours! Oh la vache! Eh, mais ça coûte du bronze, là. Ça coûtait pas autant de bronze avant pour faire ce bâtiment, là. Ça coûtait que du bois, normalement. C'est quoi ce bordel? Alors, attends. Plus 37 de bois. Ouais, bah, vas-y. De toute façon, j'aurai jamais les ressources pour ça. La croissance, ici, c'est mort. Non, vas-y, on va partir sur ça. Ah, je peux faire d'autres constructions, d'accord. Ah bah oui, forcément, oui. Ouais, mais j'ai pas envie de m'enlever de l'influence. Alors regarde, je peux faire celui du bonheur. Au moins sur l'une des provinces. Puisque de toute façon, là, ça va être pareil. Voilà. Donc au moins celui-là. Et là, ici, qu'est-ce que je peux faire? Alors attends, niveau 2. Je peux faire le niveau 3 ou pas? Non. La croissance, je suis à moins 3. Comment ça se fait que je suis à moins 3? Comment c'est possible d'être à moins 3? Ouais, là, comme ça, effectivement, c'est possible. Ça fait chier, ça veut dire que je vais me bloquer deux bâtiments au niveau 3. C'est relou. Oh, je suis à 62 de pierre, c'est une catastrophe. Mon dieu. Oh, ah, le moins 30% là, il fait tellement mal. 8 tours quoi, putain, 8 tours. Plus 50 à la croissance. Ouais, faut faire une grange. Vas-y, on fera ça au prochain tour. On fera la gringe. C'est bien les gringes. Ça permet de mettre du foin. Excusez-moi, je ne fais que boire un Coca-Cola en même temps. Ah ah! Surprise, bitch! Come on! Putain, l'embuscade, c'est tellement la vie en vrai. Alors, qu'est-ce que je fais? Je les renforce ou je les tue? 1050 de bronze en un tour. Ah. Vas-y, je récupère le bronze. Trop utile le bronze en ce moment. Eux, ils ont pas repris la ville. Ils se dirigent vers moi, apparemment, tout va bien. Bon, déjà, faut que je remette Achille dans son armée. Parce qu'il faut qu'il revienne sur le terrain, là. Qu'est-ce que c'est ça? Ah. D'accord. C'est très bien. Ah. Victoire à la Cadméenne. Je sais pas, ça vaut le coup de risquer de perdre des unités maintenant. J'ai pas envie d'en perdre d'autres encore là, ça me ferait chier. Non, on va se replier. On va se replier. Voilà, comme ça il est venu là, parfait, exactement ce que je voulais. Et à la rigueur, je peux peut-être l'attaquer. Comment je peux faire? Ma présence ici est un geste. Non. Ok, donc la grosse armée, elle est en train de bouger. Je sais pas pourquoi je continue à les voir encore, parce que, bah, techniquement... Oh, merde. C'est qui, ça? Oh! Ah, mais c'est bon, c'est loin. Ah, mince. Du coup, j'ai pas eu le temps de... Oh! Très bon, ça. Par contre, je n'ai pas eu le temps de voir qu'est-ce qui est marqué. Un combat satisfaisant. Ce combat est la source de... Eh ben, très bien. Je ne sais plus du tout contre qui je l'avais envoyé, mais... S'ils disent que c'était bien, j'ai envie de dire, pourquoi pas. Bon, on va prendre cette grosse ville. Depuis le temps qu'on l'attend. Voilà, ça c'est bon. Alors, si je la mets à sac, j'ai tout ça. Mais je vais pas la mettre à sac. Parce que j'ai besoin de récupérer toutes ces villes. Donc, je m'installe à l'intérieur. Et avec cette armée-là, je ne peux rien faire. Merveilleux. Comme ça, il me restera juste les deux petits trucs ici. Lui. Il est bien beau. Mais. Je vais
le remplacer par notre merveilleux copain Achille. Là, j'attaque. Parce que bon, faut pas déconner non plus. Voilà, merci. Merci d'être passé, c'est gentil. Hop. Je récupère ma ville. Ok, j'ai suffisamment de pierres pour pouvoir faire le bâtiment de ça. Très bien. Ça, ça coûte quoi? Ça coûte juste du bois. Ouais, c'est bon, ça part. Alors, plus 5% à toutes les ressources. Non, quoique. 10. Bah si, en fait. Parce que le bonheur, on a l'air d'être bien. Conquête, il y aura juste un moins 10, mais ça, on s'en fout. Je sais qu'il y a une autre armée de pélos qui traîne pas loin. Attends, ça c'est quoi ça? C'est Sparte. Ah, mais Sparte, ils ont pris une autre de mes villes. Ça fait chier, là. Ils peuvent pas prendre les villes qui sont pas intéressantes, là. Celles qui sont loin, là, non? Juste comme ça, là, entre nous. Bon, tant pis. Ok, donc là, ici. Alors, Échali, ça, ça tombe bien. Donc là, c'est une ville de... Ça, c'est une ville de bronze, hein. Ouais. Alors, ça, ça coûte quoi? Ça coûte juste du bois, ok? Ça, ça coûte quoi? Du bois et de la pierre. Plus 20% de toutes les ressources. Vas-y, ça part. Ok, qu'est-ce qu'on peut faire de plus? Un ordre. Ah. Bah, ressources, hein, de toute façon, c'est ça qui nous manque le plus. Achille a gagné un point de compétence supplémentaire. Coup d'entretien en moins. Ou de l'attaque en plus. Techniquement, les trucs d'élite, il n'y en a pas beaucoup. Est-ce que j'en avoir vraiment besoin après de ça? Est-ce que ce serait pas mieux de leur donner de la vraie attaque plutôt? Ah, franchement, le plus 5 d'attaque en mêlée à toutes les unités lors de batailles de siège. Ah ouais, non, direct. Direct. Alors, ensuite. Donc là, il y a l'armée des deux pélos hein, qui sont là. Enfin, les deux armées des pélos qui sont là. Faut juste espérer qu'ils viennent pas me prendre une autre ville. Ce serait sympa. Ok, let's go. Bon, pour le moment, c'est pas trop mal. Alors, il faut juste que je me dépêche aussi très rapidement. Aller contrer l'armée des... je sais plus comment ils s'appellent, ceux qui jouent en dernier, là. Parce qu'eux, ils vont renvoyer une armée, là, à l'est. Non, à l'ouest. À l'ouest, pardon. Ils vont renvoyer une armée à l'ouest pour venir me casser les pieds. Et me prendre des petites villes que je me suis embêté à prendre pendant 40 ans. Ah! Alors, en soi, je dis pas non. Merde, je voulais faire une contre-proposition, je me suis trompé de bouton, c'est pas grave. Alors, toi, certainement pas. Vu comment tu m'as cassé les pieds, sort de question. Alors, par contre, comment ça se fait que je les vois toujours pas? Mince! Ah, exactement ce que je voulais pas, mais c'est pas possible. Alors, ah, par contre, c'est jouable. Défaite honorable, mais c'est une blague. Bon. Là, ce coup-ci, je pense qu'on va pas avoir le choix. On va faire des batailles de goulets. Parce que les batailles de goulets, d'étranglement, on adore ça. Là, il y a 3 accès possibles. Non, 4. C'est beaucoup de goulets, n'est-ce pas? Va falloir faire une grosse ligne de tank. Une grosse ligne de tank avec les archers en soutien. Le vétéran au milieu qui va casser les fesses de tout le monde. Et si on arrive à se défendre contre ça... Alors là, mais eux, c'est terminé. En un tour, on reprend les deux autres villes, clac, clac, et on n'en parle plus. On va faire ça comme ça, ouais. Et après, vous verrez, tout va bien se passer dans le meilleur des mondes. Allez, s'il vous plaît, monsieur, dame. On se dépêche, on n'a pas que ça à foutre. Je pense que ce serait pas mal que je mette aussi Total War sur mon disque dur SSD, parce que c'est vrai que les temps de chargement, à chaque fois, ça met 40 ans. Mon pote, j'ai un de mes potes avec qui je joue à Total War en coopération, il s'est foutu de ma gueule il y a pas longtemps, parce que justement, quand on joue en coop, à lui, les chargements se font très rapidement. Et moi, du coup, ça se fait pas du tout rapidement. Petite dédicace, il saura se reconnaître, vous inquiétez pas. Et c'est vrai que, ouais, la différence, elle est là quand même. Ah voilà, maintenant il faut appuyer sur continuer. Avant fallait pas faire ça, donc du coup ça chargeait tout seul. Bref, on s'en fout. Alors. Alors, donc apparemment, ils ont tout sur un côté. Sachant que l'ennemi est très con et ne peut pas passer par-dessus les petits murs. Donc dans la logique... Ah putain, c'est un archer. Rah, je voulais pas que ce soit un archer. Les archers, ils sont chiants.
Mais par contre, c'est vrai que j'ai quand même de bonnes unités, mine de rien. J'ai les lanciers de Fti et tout. Normalement, moins que ça fasse le café quand même. Hein. Et puis après, bah voilà. Hein. Alors, faut que je pense à désactiver un truc, c'est le mode escarmouche. Et c'est parti. Alors, est-ce qu'ils vont attaquer direct? Ils attaquent direct, très bien. Ah! Qu'est-ce qu'il fait lui? Vivant. Messieurs, s'il vous plaît, veuillez avancer vos jupettes. On est... Youhou! Juste là! Là, ici! Bonsoir, messieurs, vous venez pour la petite sauterie? Très bien. Allez, on se dépêche, mesdames, s'il vous plaît. Normalement, si je pack bien tout ça, il y a moyen que ça fasse le café. Oh, les archers, ils ont aucune portée, c'est une catastrophe. Pff, ça sert à rien, quoi. Ok, bon, on va accélérer un petit peu. Ah! Ah! Ah non, mais par contre, si mon mec, il se fait bolosser tout seul dès le départ, je suis pas d'accord. Mon dieu, l'ennemi est devenu intelligent. Quoique, peut-être pas en fait. Faudrait que j'essaie de le niquer si c'est possible. Alors attendez, on va repasser en mode normal parce que là ça va beaucoup trop vite pour mes petites... Voilà. Ah. Alors le vétéran au milieu de la mêlée, c'est peut-être pas le meilleur bail du monde. Oula. Ajax le petit a l'air bien vénère quand même. Hein. Ok, on va tirer dans le tas, on va voir ce que ça donne. Hein. Oh, les archers, je sens que ça va rien faire contre les lanceurs de javelot lourd là. Quoique. Ok, donc lui il est contre Ajax. Il a dû le provoquer en duel, je pense. Putain, s'il crève, par contre, c'est la misère. Ah, surtout qu'en plus, il est au milieu de mes lanciers. Eh, mince. Oh, les coureurs des jeans, c'est l'unité la plus balèze que j'avais. Elle est déjà en train de prendre trop cher. Oh là là, c'est une catastrophe. Ok, bah, let's go. Ajax le petit qui est en train de prendre une peignée. Alors là, par contre, va falloir qu'on m'explique. Oh, les lanceurs de javelot lourd, ils font tellement mal. Oh, c'est fou, quoi. Putain, je ferais peut-être mieux de tirer sur les lanciers au bouclier. Ah, je sais pas. J'ai peut-être parlé trop vite, en fait, pour Ajax. Parce que là, apparemment, il a l'air d'être quand même sacrément vénère. Ça craint tout ça, ça craint. Bon, si jamais, je dis bien si jamais, quoi qu'il arrive, je perds cette bataille, dans tous les cas... J'aurai suffisamment de quoi me retourner. Ah ouais, mais non, on prend trop cher, là, c'est pas possible. Oh, la vache! C'est quoi qui me fait aussi mal? C'est eux, là? Ah, mais ils sont buffés par l'autre, là, aussi! Ah! Putain, et eux, ils lâchent toujours pas l'affaire, là, ils me saoulent. Allez, foutez-moi la paix, là. Briser dégâts subis. Ça, ça veut dire qu'ils s'en vont, ça, normalement. Ok, bah let's go pour la seconde unité. Ça va être compliqué à mon avis, mais... Ah putain, même lui, là, il... Ok, bon. Je sais pas vraiment s'ils vont pouvoir faire quelque chose en mêlée. Contre le héros. Je crois moyen, mais pourquoi pas. Les javelinés des djinns. Vas-y, let's go, tout le monde sur Ajax. Ah si, ça fait le taf! Oh là là! Dis donc. Dis donc, doudou. Et eux, ils courent là comme des petits lapins. Regardez-moi ça. Voilà, très bien. Putain, et eux, ils reviennent dans la mêlée. Oh là là, regardez-moi ces fous furieux là. En train de poursuivre Ajax. Mais non, mais ils étaient brisés. Pourquoi qu'ils reviennent, les messieurs, là-bas? Non? Foutez-moi la paix. C'est moi tranquille, enfin. Ça va peut-être se faire. Ça va être très compliqué. Mais ça va peut-être se faire. Ah. Alors, je pense que mon héros est mort. Je sais pas où il est, d'ailleurs, mais... Oh, merde. Je crois qu'il a mis l'Aristie. Fuck.
Ça va être chaud quand même. Oh là là. Il me reste quelques unités, pas beaucoup. Il en reste encore beaucoup. Hein. Et des bonnes en plus. Hein. C'est ça en fait qui me stresse de ouf. C'est qu'il leur reste tellement de bonnes unités encore. Ok, bon, les archers font bien le café, comme d'hab. Comment je pourrais faire, là? Faudrait qu'avec les archers, je vienne en soutien des autres troupes, plutôt. Là où ça peut faire vraiment le plus de dégâts. Je sais pas si ça... J'espère qu'ils savent viser, par contre, parce que sinon, c'est les miens qui vont prendre mes flèches. Non, normalement, c'est eux qui les prennent majoritairement. Faut juste pas que la ligne elle lâche. Si la ligne elle lâche, alors là, c'est la fin des haricots. Mais ça peut le faire, hein, parce que leur moral, il est bien bas. Bon, le mien aussi, hein, mais... Ah merde. Ah non, pas eux. Oh là là, c'est chaud, mais que c'est chaud, nom de Dieu. Non, faut que je les fasse aller au corps à corps. Bon, tant pis, tout le monde au corps à corps, on s'en bat les steaks. De toute façon, on n'est plus à ça près. Voilà, que tout le monde charge dans la mêlée. Tout le monde s'y met. Hop. Ah, j'ai aucun buff, c'est ça qui me saoule. En plus, c'est que j'ai rien, quoi. Mais vous voulez pas rester, vous, plutôt? Enfin, là, regardez, il y a les copains qui se battent, là, non? Vas-y, ça craint, quoi. Ah, merde. Vite. Vite. Il reste pas grand monde, hein. Ils ont beaucoup de... Ils ont quoi, encore, là? Ok, bon, let's go, les archers, encore. Avec le soutien des épéistes légers, ça peut peut-être le faire. Oh, merde. Oh, non. Oh non, et l'autre qui se met en Aristie maintenant, c'est une blague. Pff, putain. Bon, bah là, il n'y a plus qu'à prier. Plus qu'à prier. Faudrait le tuer, lui, là. Il me saoule. Vas-y, on va accélérer un peu. Il me reste encore beaucoup d'unités, mais c'est pas des unités de ouf, hein, donc... Rah, je sens que ça va lâcher d'un coup. Vous allez voir, ça va être comme le slip d'un vieux, et voilà. Comme le slip d'un vieux, ça a lâché d'un coup. Et là, il n'y a plus personne. Putain de merde. Ah là là. Ah, j'ai connu des couches qui tenaient moins que ça quand même. Hein. Mais bon. Ah, j'aurais tellement voulu qu'ils arrivent à se défendre et pas qu'ils prennent encore une autre ville. Ils vont aller partout dans la campagne. On va se courir après. Ça va être pénible. Bon, par contre, j'aurais fait tellement mal. Là, ils vont devoir mettre au moins 15 tours avant de s'en remettre. Au moins, c'est ça l'avantage. Alors, je sais pas s'ils vont prendre la ville. Oh, j'espère que c'est pas une ville de bronze. Ah, si c'est une ville de bronze. Mais comment je suis dans la mouise? Ah, la réponse dans quelques instants. Je stresse, je panique. Je suis en émoi. Allez, on se dépêche, s'il vous plaît, monsieur, dame. Oui, bon, c'est pas nécessaire. Hein, oui, bon, oh. Oh, quel scandale. Ah, ils ont bien pris cher quand même. Il reste encore beaucoup de monde, hein, mais ils ont bien pris cher quand même. Ah, qu'est-ce qu'ils font? Ils se barrent? Oh, yes, ils se barrent. Ah, oh, tant mieux. Ah, mince. Ah non, par contre, faut pas qu'ils aillent là-bas. Échange de bronze contre du... Oui, bien sûr. La ressource dont j'ai le plus besoin. Oui, évidemment. Ah! Et ils se rapprochent très vite quand même, ces messieurs-dames là-bas. Non, mais c'est pas nécessaire. Hein. Oh, c'est une blague. Oh là 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 là. Ouf, eh ben. Elle est pas dans la merde. Alors, comment je peux faire? Je pourrais peut-être leur foutre les miquettes. Je pourrais peut-être leur foutre les miquettes en allant genre là. Et du coup, comme ça, ils auraient pas envie d'attaquer une ville parce qu'ils savent très bien que je serai sur leur talon. Vous voyez le délire? On va tenter, hein. De toute façon, on a rien à perdre. Et pendant ce temps, avec cela, bam. Voilà, on récupère une autre ville. Très bien. Hop. Voilà, comme ça, une ville supplémentaire. Ouh! Mazette. Ah, ça, c'est bon, ça.
Infanterie de marine thessalienne. Loup de mer thessalien. Oh là 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 là. Oh, ça va être bien ça, je sens, ça va être bien. Moi je vous le dis. Alors, bah, go la ville de bois, direct. Ensuite on en est où? Alors. Ça je peux le faire, mais est-ce que je devrais pas garder mon or pour autre chose? Ah mince, je l'ai déjà celui-là. Ah, je suis con, c'est la même ville. Enfin, la même province en tout cas. Ouais, Zeus, ça sert pas mal pour les... Ça sert pour quoi déjà? Je ne sais plus. Alors, attends, moi je vais retrouver les Pégus. Qui étaient venus là. Ils sont où? Ils doivent être par là, là. Ceux qui sont venus me prendre ma petite ville là, en bout de carte. Où est-ce qu'ils sont? Par contre, faut vraiment que je les chope au prochain tour. Si je les chope pas au prochain tour, c'est la misère. C'est quoi ça? Alors, attends. Terreur d'alerte, attaque en mêlée ou vulnérable au projectile. Non, l'attaque en mêlée. L'attaque en mêlée, c'est 10 fois plus important quand même. C'est bien hein, la projectile, hein, mais pas déconner non plus. Non, ça va, fil de bouffe, heureusement. Alors ensuite, là-haut. Liberia, là. Le Liberia. Ça, ça fait un peu moins d'influence. Enfin, il y a ces trucs, hein, évidemment, mais... Quoique, attends, c'est tout en haut. Est-ce que je me ferais pas une petite ville fortifiée au cas où, quand même? Parce qu'il y a eux, là, en haut, ils sont bizarres. Puis il y a eux, là, aussi. Ce serait pas bête, ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Ah, mais je peux pas faire... Je peux pas faire le bastion. C'est chiant, ça, que ce soit niveau 4. C'est relou. Sinon, ça ferait quoi? Ça ferait 3 lanciers de frondeur et 1 lanceur de javelot, en plus. Putain, ça fout même pas de mur, quoi. C'est de la merde. C'est de la merdasse. Je sais pas quoi faire avec cette ville, ça me saoule. On est à combien? On est à moins 1000. Sachant que je suis à 34 000. Ouais, dans tous les cas, de toute façon, j'en aurai besoin. Mais de la croissance en moins, ça me fait chier. Je suis juste à plus 108. Plus 108, c'est pas beaucoup déjà. Non, je vais faire encore plus de croissance. Et là, bah... Ah, j'allais dire, je vais faire pareil, mais non, du coup. Et nous avons une nouvelle ville, Mélibée, qui nous permet de faire des constructeurs de pierre, mais de toute façon, je n'ai plus de bois. Donc au moins, comme ça, la question est vite répondue. Et alors, par contre, ils sont où, eux? Ils sont à... Ouais, un bon mi-chemin. Oh la vache. Il faudrait vraiment que j'arrive à les choper prochain tour. Et avec cette armée-là... Attends. Ouais. Avec cette armée-là, je fonce après. Ah ouais, non, direct. Parce qu'ils ont tout, eux. Ils ont... Quoique, eux, ils ont des coureurs d'égine aussi. Eux, ils ont quoi? Ouais, vas-y, let's go. Let's go! Ah! Alors, de l'or et un peu de bronze contre du bois. Fais voir. Ouais, non, c'est du 0-0, donc non. Ça ne m'intéresse pas. J'ai toujours pas trouvé l'armée dardanienne qui traînait dans mes... qui traînait par là, là, en bas. Je sais pas où elle est encore, hein, mais... faut se méfier quand même du loup qui dort. Ah. Et merde. Mais putain, mais c'est pas vrai. Bon. Défaite honorable encore? Ah non, mais là, alors là, faut pas déconner là quand même. Alors qu'est-ce que je fais? Est-ce que je fonce là, récupérer ça? Et avec l'autre armée, je fonce au nord. Trop de fronts de bataille, c'est chiant, putain. Ah là là. En plus, je vais pas pouvoir lever une armée en si peu de temps, c'est mort. Comment je peux faire? Bon, déjà, lui, je lui pète le fion. Ah, quoique. Ouais. Ouais. Ah, ça va pas être ouf non plus comme bataille, ça, je sens. Bon, déjà, il faut tuer Ajax en premier. Ça, c'est clair. Lui, il faut pas le laisser vivre, parce que c'est lui qui a renversé toute la situation la dernière fois.
J'ai pas envie de refaire deux fois la même truc. Ou finalement, au dernier moment, je me fais raser le slip. Non, merci. Alors. Bon, il fait quoi? Il fait une frontale? Ouais, on dirait bien. Alors, est-ce que je fais un bloc? Un bon blob des familles. Avec ça derrière en soutien. Le héros qui rentre dans la mêlée. Et ça. Et eux, je leur fais faire le tour. Afin de striker directement comme il faut. Parce que ça, c'est quoi ça? Lanceur de javelot et guerrier massue. Allez, c'est parti, mise en place. Bon, de toute façon, dès le moment où ça va commencer à se rentrer dedans. Bonjour, mesdames. Aujourd'hui est le jour où vous allez tous mourir! Quoi? Non, non, c'est rien, ne faites pas attention. C'est normal. Tout va bien se passer. Avec des petites grues sur le. Ah, déjà? Ah, d'accord. Bah, écoutez, envoyez, messieurs, envoyez. Non, je pensais pas qu'ils auraient. Aïe. Ah, quand même. Ok, par contre, eux, ils branlent quoi, là? Ok, let's go. Ok, on le nique. C'est parti. Voilà, un bon gros blob, là. Regardez-moi ça. Ça, c'est du blob. Et en plus, ils font un magnifique duel en plein milieu. Impeccable. Donc là, ça commence à se canarder très bien. Comme ça, j'élimine tous ces lanceurs, là. Surtout avec les javeliniers. Ah oui, là, ça va faire le café, là. Ça passe, tout ça, là. Ça passe. Comme ça, après, avec eux, là. Prac. Je canarde ça. Bien comme il faut. Sauce maltésère. Et terminé, fin de l'affaire, on rentre chez nous pour le goûter. Ah, il est encore en train de buffer ses personnages, hein. Il fait chier celui-là. Allez, meurs là. Et arrête de nous casser les pieds. Ok, ça c'est bon. Ensuite là. Ok, il me reste plus qu'à niquer les lanceurs de javelot lourd. Ah, il est toujours pas mort, hein. Il veut pas. Allez, c'est parti. Le héros ennemi a été blessé. Ah, ben voilà, très bien. Enfin, c'est pas trop tôt. Hein. Ouf. Oh là là. Ouais, c'est bon, ça va passer cette histoire. Là, avec les frondeurs en soutien. Voilà, de toute façon, ils sont complètement anéantis. Il reste 5 et 4, là, c'est que dalle. Hop. Ouais, ça passe. Ça passe largement. Voilà, regardez-moi ça, là. On va même les repositionner un petit peu. Alors, le héros prend cher. Mais il va se débrouiller, il va se débrouiller. Regardez-moi ça, là, il se bat comme un lion, là. Il est beau comme un camion, là. Oh là là. Polynices, là. Polynices, je sais pas comment ça se dit. Putain, il fait le café. Ça, c'est un homme. Ça, c'est un vrai, ça. Un qui porte son slip en dessous de sa jupe, là. Ah. Bon, il connaît. C'est ce qui s'appelle connaître le revers de la médaille. Mais ce n'est pas grave. L'important. C'est qu'il ait réussi à casser des bouches aujourd'hui et qu'il soit encore vivant demain pour raconter cette histoire à ses enfants. Ouais, crions pas victoire trop vite quand même, parce qu'il reste quand même un peu de monde. Ah. Alors qu'est-ce que je fais? Est-ce que je fonce dans le tas? Vas-y, let's go. Ouais, c'est bon, ça passe ça. Ah zut, j'ai loupé la charge, quel dommage. Ouais, bah, vous savez quoi, on va continuer à les poursuivre. On va continuer à les poursuivre parce qu'ils ont quoi? Les lanciers au bouclier, les guerriers massus. Là, on va désactiver le mode mêlée. Comme ça, on va pouvoir faire du canardage à distance dans les règles. Histoire d'en enlever le plus possible. Bah, faut vraiment qu'il n'y en ait aucun qui s'en. Aucun qui en échappe. Hein. Hors de quest. Et les autres qui reviennent en mode. Hé! Hey hey, vous là! Arrêtez-le! Arrêtez-les! Chopez-les! Faites quelque chose! Magnifique. Ah voilà, ça, c'est une bataille qui se déroule bien. Ça, ça me plaît. Allez, zou. Avance rapide. Histoire qu'on en tue le plus possible. Hop. Ah mince, ils n'ont pas pu en avoir plus. Bon, c'est pas grave.
Normalement, l'avantage c'est qu'avec les javeliniers et les coureurs des djinns, ils sont tellement rapides. Même quand ils sont fatigués, ils vont plus vite que les autres. Et du coup, ça permet de tuer tout le monde. Allez, allez, il en reste deux, il en reste un. Regardez, il est tout seul. Ah, voilà. Ah, ça soulage. Ça fait du bien. Par contre, ils m'auraient attaqué avec leurs deux petites armées. Je suis pas sûr qu'on aurait réussi à s'en tirer. Je suis pas convaincu. Donc là, du coup, alors attends, il nous reste quoi, au final? Il nous reste l'autre armée là, donc l'autre, il faut qu'ils aillent au nord. Ah, mais il reste la petite ville, il faut que je prenne cette petite ville dans tous les cas, sinon ils vont se reformer, c'est sûr. J'ai pas le choix. Ah, j'en étais sûr que l'autre, il allait me déclarer la guerre au nord. Et j'espère que l'autre, il va pas faire pareil au sud, parce qu'il y a... Alors, je dis l'autre, parce qu'évidemment, je me rappelle plus de tous les noms. C'est des noms grecs, vous en doutez que, forcément, là, comme ça, de suite, ça va être compliqué. Néanmoins... Et je ne parle pas de Voldemort. Petite blague. Néanmoins, on va y rester les autres au sud. Bon, alors attends, ça va. Blablabla. Alors qu'est-ce qu'on fait? Ouais, renforcement au cas où. On sait jamais. Hein. Ce serait dommage. Mais il restera que eux après, là. Ah voilà, c'est ça, les Téléboins. Les Téléboins qui commencent à se rapprocher de ma position dangereusement. Et ça, c'est pas bon du tout. C'est pas bon pour les affaires. Il faut très vite que j'aille là-bas. Très 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 vite. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je... Ah là là. Est-ce que avec cette armée, je pars en haut direct? Ouais, parce que là, là ils sont beaucoup. Hein. Oh, ils sont 18. C'est la merde. Ah, c'est la merde. Bon, lui, il lui faut quoi? Il lui faut 2 tours pour atteindre ma ville. Peut-être 3. Mais on va partir sur 2. Il est pas en guerre contre Ithaque. Si je fais ça, ça, puis ça, ha, je mettrai jamais 2 tours. Avec lui, je peux peut-être y être en 2-3 tours. Ah. En plus, faut passer par les montagnes. Oh là là. Bon, vous savez quoi, on perdra peut-être la ville, mais c'est pas grave. L'important, c'est d'aller sauver le nord. Là, ici. Bam. Adios, amigos. Voilà, là, comme ça on a toute la province. Ah, et c'était une mission, eh ben, c'est encore mieux. Ouh, épée à or de Deucalion. Bien ça. Anax de Thessalie. Ok, ok. Ah ça, ah non, Achille il a une lance il me semble. Il a déjà la lance de Pélée. Alors attends, Automédon. Au Alcimos. Non, Alcimos, il y a déjà un truc. Je vais la donner à Automédon. C'est une bonne épée. Hein. J'espère que tu vas pas la perdre, mon gars, parce que... Moins 15% à l'usure issue de la désertion. Ça, c'est pas mal, ça. Ah, il n'y a pas de partisans. Ouais, tous les autres, c'est déjà pris. Ok. Alors, un petit point de compétence. Plus 100 aux dégâts en épée contre les unités armées d'épée. Contre les unités armées de lance. Bah, la majeure partie des unités, en général, c'est de lance. Hein, donc, enfin... Après, il y a les trucs à la massue, mais à la massue... La massue, il n'y a rien du tout. Alors ça, je le détruis. Ça, je ne le touche pas parce que je m'en fous. À combien? Moins 2000. Il reste plus que eux. Là, au moins, comme ça, c'est vite fait. On n'en parle plus. Comme ça, j'arrive. Pam, pam. De toute façon, ils n'ont pas assez d'unités pour pouvoir me prendre une ville. Qu'est-ce qui est intéressant, là? Ça, c'est quoi? Ça, c'est une ville d'or. Oh, pourvu que ce soit pas une ville de bronze. Arni, ça, c'est juste là. Laquelle ils vont prendre? Est-ce que ça va être celle-là? Ou est-ce que ça va être celle-là? Sachant que là, j'ai 9 unités. Ah ouais. Marrant, ça. Atalante. Très bien. Peut-être falloir commencer à faire les guerres du Nord aussi. Hein. Ça devrait être intéressant, là, tout ça. Parce que de toute façon, tout ça ne me permettra, bien évidemment, de venir ensuite par ici. Donc, dans tous les cas, c'est pas... Pas gravissime. Par contre, mon petit loup, falloir que tu m'expliques un truc. Alors, attends, qu'est-ce que j'ai comme traité avec eux? Ah. Oui, bien sûr. Non, sérieusement. Ah, mais ces accords, ils sont tellement pourris. Pff, oh là là. On pourrait faire perdurer l'héritage. L'héritage de quoi?
De quel héritage parle-t-on? Alors. Ah! Je pourrais me retirer ça. Ouais, vas-y. Ah, j'aurais dû demander des trucs, je suis trop con. Ah, j'ai été trop rapide, putain. Bon, tant pis, c'est pas grave. Au moins, comme ça, la guerre est finie avec eux. Comme ça, ce côté-là, je n'ai plus à m'en soucier. À moins qu'ils changent d'avis, mais normalement, c'est bon. Parfait. Alors. Donc, le bronze en est toujours en négatif, c'est pas bon. Hein. Le bronze toujours en négatif, donc du coup, il faut augmenter les bâtiments de bronze. Let's go pour le bronze. Alors, j'ai vu qu'il y a une ville, on peut construire des choses. Plus 28 pierres, moins 4 à l'influence. Hop, let's go. Tant pis pour l'influence. Alors, ça, est-ce que je peux l'améliorer, ça? Ouais. Ça, je l'ai déjà fait. Ça, je vais pas le faire. Ça, on attendra plus tard. Ouais, j'aurais pu me faire la cabane du chasseur, sachant que j'étais full croissance. Mais ça, c'est pas grave. Au pire, je le ferai plus tard. Tous les bâtiments, là, qui donnent vraiment beaucoup de nourriture. Je pense que c'est intéressant de les faire. Putain, ils ont bougé. Merde. J'ai pas vu où est-ce qu'ils sont allés. Je pense que c'est intéressant de les faire quand il y a... Comment dire? Et merde. Attendez. Ah, si j'avais des... comment ça s'appelle? Non, mais là, ça passe jamais, ça. Quoique. Non, il y a trop de tireurs. Il y a trop de... Oh, mais non, il y a les harpies et tout. Tant pis. Ah, d'accord. Ah bah oui, ils ont carrément... Ok. Ils ont carrément détruit la ville. Plus aucun respect. Alors, eux, ils font quoi, là, de leur vie? Un accord d'échange. Non, c'est de la merde. Élite. Ok. Ça va. Titre du royaume obtenu. Je sais même pas si ça fait un truc ou pas. On s'en fout. Putain, vraiment pas sympa, quoi. Alors, bah, de toute façon, on continue de courir, n'est-ce pas? Y a pas un héros avec qui je pourrais faire une action? Ah non, j'ai rien. J'ai que cela, là. Par contre, ils pourraient soit attaquer cette ville, soit rien faire d'autre. Ou alors, avec du bol, ils prennent celle-là comme des gros cons, et moi, je leur tombe sur le coin de la bouche, et je leur éclate les dents. Ah, ça me plairait, mais tellement de ouf. Alors, héros en garnison. Donc lui, il branle rien. Ok. On va venir là. Mais on va venir en catimini. Voilà. Comme ça, prochain tour, bam! Saute à la gorge, moi. Ah oui, je suis à plus 2600 en bois. Ça, c'est très bon, ça. Ça, c'est très, très bon. Alors, Alos, fer. Et Yolkos. Ah oui, en fait, ouais, tous les bâtiments que je voulais... Tous les bâtiments que je voulais, en fait, ils sont pas là. Ils sont là. C'est ballot. Donc. Ouais, de la pierre, il m'en faut. Ok, let's go pour la pierre. Ça va faire du bien, ça. Ça va faire du bien. Et mercredi, j'ai vu construction disponible. J'ai paniqué. Excusez-moi. Ah, les Dardaniens, je les avais oubliés. Je savais bien que j'avais oublié un truc. Qu'ils y vont? Ils veulent pas se... Bah. Attends un peu, c'est quoi cette arnaque? Bah ouais, je sais. Bah, je perds pas d'unité en plus, c'est encore mieux. Est-ce que je les capture ou est-ce que... Ouais, non, je les vends. Je les vends comme esclaves sexuels. C'est tellement mieux. Ah. Putain, qu'est-ce que je fais?
Là, l'équilibre des forces est un peu mieux. On va tenter. On va tenter, et je pense que ce sera la dernière bataille pour aujourd'hui. Oh, ce serait tellement bien de la réussir celle-là. Mais ils sont beaucoup, ça qui est chiant en fait. Il n'y a pas beaucoup d'accès, il n'y a pas beaucoup d'endroits là pour accéder. Enfin, si, il y en a. Enfin, oui, non, il n'y en a pas beaucoup. Donc, soit ils passent par là. Alors là, s'ils passent par là, c'est royal. Là, c'est open bar. Mais par contre, s'ils passent par là et par là, ah, là, c'est chiant. Là, c'est ultra chiant. Donc, ça va dépendre d'eux. Parce qu'après, c'est beaucoup de Pégu en fait. Donc, les Pégu, je leur colle ça en face. Bah, c'est terminé en fait, il n'y a plus personne. Mais le truc, c'est qu'ils ont encore beaucoup de tireurs. Vraiment beaucoup de tireurs, quoi. Et ça, c'est chiant. Ou alors, sinon, je colle mes unités de merde. Mais non, c'est pareil. Faut que je défonce le mec. C'est vrai que contrairement à Total War Warhammer, je fais pas autant de portes de postes de garde ou d'autres comme ça, parce que il y a tellement besoin de plein de ressources dans les campagnes de Total War Troy que t'es obligé en fait de favoriser ça, parce que sinon c'est galère. Là, j'ai trois bonnes armées qui en chient déjà pas mal, mine de rien. Putain, vous avez vu ce que je suis obligé de... J'ai quasiment aucune tour de garde en fait. J'ai quasiment aucune unité de garnison supplémentaire. Et ce qui fait que bah du coup, dès qu'il y a un connard... Et ça c'est pareil, je trouve que c'est mal fait aussi, je comprends pas que ça avec la mage ça n'a pas été réglé, mais je comprends pas que avec une IA qui a un territoire, elle vienne t'attaquer alors que toi t'en as au moins une quinzaine. C'est pas du tout logique, mais pas du tout, mais jamais, jamais t'as une IA qui fait ça quoi. Voilà, exactement ce que je voulais pas. Ils vont être dans tous les sens, il va y en avoir de partout. Bon. Le mieux du mieux serait qu'ils viennent comme ça. S'ils viennent comme ça, c'est festival. Comme ça, ils passent par là. Ou alors, ils passent par là. Je sais pas. On va voir. Ah, ils passent sur le teco, là. Ah ouais, ils passent sur la droite. Heh, forcément. Bon, bah, c'est pas grave. On va pouvoir les canarder quand même. Putain, par contre, les javeliniers d'Egine, ça a une portée de merde. Oh là là. Enfin, tout ce qui est javelinier, de manière générale, de toute façon, c'est pas ouf. Attends, ça, c'est quoi? Guerrier troyen. De la dope, ça, non? Ah, c'est ça, c'est de la bouse. Pire, je fous ça, comme ça je tue le héros. Alors, est-ce qu'ils arrivent à faire quelque chose, les fondeurs? Ouais. Ça fait le café. Ah! Allez, harpie. Ah, ça, c'était pas prévu, ça, par contre. Mais merde, elles vont me tailler le cul de mes frondeurs en fait. Elles sont en train de me défoncer. Tout va bien. Tout va bien. Vos guerriers se découragent. Ah bah oui, bah voilà. Il reste quoi, les escarmoucheurs légers? Ouais, des unités de merde. Putain, me dis pas qu'ils vont passer par en haut quand même. Ils vont faire les deux, je suis sûr. Vos guerriers ont repéré des ennemis dissimulés. Ok, donc les coureurs d'Egine contre les guerriers troyens, ça devrait faire le café. Je suis en train de faire de la daube. Je sais pas si je vais vraiment réussir cette bataille, hein, parce que c'est quand même mal barré pour le moment. C'est pas ouf, hein. Vous perdez du terrain. Bah ouais. Bah ouais, mais non, en fait, ça passera jamais. Ils ont trop de tireurs, là, ils ont trop de tireurs. Je suis en train de perdre mon moral comme une vieille chaussette. Ah là là. Des images terribles.
Moi, je pourrais peut-être tuer leur héros. Mais encore, je suis pas sûr. C'est en train de me faire perdre le moral de ouf. Oh là 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 là. Ennemi plus rapide et plus puissant à proximité. Vas-y, let's go pour la mêlée. Hein. Je sais pas vraiment ce que ça va donner dans l'histoire, mais bon. Ah bah, ils se font défoncer. Voilà. Ah, mais c'est la harpie là encore. Putain, mais c'est pas vrai. Oh, c'est une catastrophe cette bataille. Oh, les harpies monstrueuses, elles font tellement le café. Oh. Ouais, bah là. Voilà, je me suis pris un sévère coup de genou dans les dents. Vous avez pu le voir. Ah, mais on peut pas rester sur ça quand même, franchement, ça die. Bon, j'aurais infligé des pertes. Je sais pas si ça va vraiment servir à grand chose, mais. Bon, surtout maintenant, l'essentiel, c'est de savoir comment faire pour ne pas perdre plus qu'on a déjà perdu. Et ça, c'est une véritable question. Ça fait chier. Ouais, je pensais qu'en fait, leurs unités de merde tomberaient plus facilement, mais en fait, non. Et surtout, les harpies, elles m'ont dégommé, en fait. Regardez-moi ça, quoi. 43, 40, 42, 62. Et encore, on a perdu au... comment ça s'appelle? On a perdu au moral. Donc du coup, on s'est fait... on a même pas eu le temps de se faire vraiment les dents, qu'on s'est fait ouvrir les fesses en deux, quoi. C'est ça, le problème. Alors, dans la logique, je pense que je vais m'avancer en embuscade. Putain, ils m'ont vu? Je sais pas s'ils m'ont vu. Embuscade déjouée, Achille. Ouais, mais ça, c'est pas grave, ça. Oula. 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 Alors, attends, j'ai vu qu'il y avait un trait. C'est quoi qu'on avait... Ah! Oh! Oh! Putain, c'est bien, ça. Dis donc. Alors, lui... Regardez-moi tout ça. Tous ces traits. Mon Dieu, quoi. Impeccable. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait faire de beau? Parce qu'il y a eux, là, encore. Ça m'embête un peu. Donc, dans la suite des événements, nous allons... Voilà, déjà pour commencer. Ensuite, est-ce que je peux les choper, là? Je peux les choper. Mais est-ce que si je les chope, est-ce qu'ils vont pas s'enfuir? Comme des petits lâches. Ah bah non. Ouf. 8 de bronze. Toujours ça de gagner. Ah voilà. Et ça me fait des trous de balles en moins. Alors. Maintenant. La véritable question. Donc soit je les approche par là, mais du coup, eux, ils s'enfuient ici et ils me prennent une autre ville de plus. Ou alors. Ah ouais, non, je peux pas me mettre en embuscade. Donc on va se mettre... on va se mettre là. Et normalement... Ah, quoique j'aurais peut-être dû me mettre là plutôt pour pouvoir aller sur la ville à côté juste après. Ah, comment je peux faire? Bon, surtout le plus important c'est de ne pas avoir perdu la ville de bronze. Ah non, c'est pas une ville de bronze, ça c'est une ville à bois. Alors, est-ce que là on a combien? Ah putain, on est toujours à moins 1500, c'est pas bon ça. Pas bon du tout. Je panique, chef. Avec tout ce bronze en moins. Décrets royaux, bâtiments. Putain, mais l'unité, mais comment ça se fait que... Il y a un truc, c'est pas possible. Il y a encore 3 tours à moins 30%. 3 tours, mais 3 tours, je les fais jamais avec ça. Est-ce que je peux pas me faire un buff? Enfin, sans parler de l'animal, bien sûr, mais... si je fais 2, ça fait quoi? Pour tous les accords diplomatiques, à l'exception des échanges. Non. Moins 5 au moral, non. Alors, ça fait quoi l'hécatombe plus 130? Donc ça me fait arriver direct ici. Ouais, je vais peut-être faire une hécatombe parce que c'est vrai que là... Alors, y a pas un truc pour la bouffe, le bronze et tout le bordel? Recrutement des héros, non... Putain, plus 20% à l'attaque en mêlée des unités armées de lance. Bien. Plus 30 à la croissance. Non. Vénération. Ah oui, non, rien à voir. Ouais, ça c'est bien, comme ça te met tout. Putain, plus 50 à la croissance, plus 5 au bonheur, toute la faction. Oh là là. Pff. Alors.
Non, organiser les jeux, on s'en fout. Moins 10% au coût d'entretien des unités d'infanterie légère. Infanterie légère. Ça, c'est quoi? Est-ce que j'ai, c'est du lourd, du moyen ou du léger? Je crois que c'est du moyen. Ah non, c'est encore pire, c'est du lourd. Ah, du lourd et du moyen, quoi, donc... Ouais, léger, c'est que ça, donc autrement dit, ça sert à rien. Enfin. Ça y était pas avant. Ça y était pas du tout, même. Ah oui, il y a un dieu de plus à vénérer. Mais ça, c'est peut-être avec Diomède et Ajax. Je sais pas trop. Enfin bref, toujours est-il que ça ne m'aide pas. Alors, coût de recrutement, coût de construction, croissance, non. Coût de recrutement, attribut, accord de trait descendant de Zeus, non. Attaque en mêlée des unités armées de massue, non. Arès. Plus 1 à capacité, non. Compétence de rechargement, non. Quoique. Non. Non. Non plus. Merde, je me suis trompé de... Alors, plus 100 par nourriture pour chaque région côtière possédée. Ça peut être intéressant pour la bouffe, mais je m'en fous, je suis à 42 000. Non. Plus 30 à la croissance, plus 1 au bonheur, plus 10% de prisonniers de bataille. Plus 200% à tous les effets de l'ordre d'organiser les jeux. Bah ouais, tu m'étonnes, en même temps, Saphrodite. Plus 10 aux relations diplomatiques avec toutes les factions. Permet de recruter un satyre, non. Artemis, on l'a regardé tout à l'heure, je crois. Héphaïstos. Ah si, plus 25% revenus issus de la production de bronze par tour. Ah putain, mais direct. Ah mais oui. Ça fait quoi? Plus 15% en morale, plus 6% à la résistance aux projectiles des unités, non. Non. Plus 20% à la mire. Pardon. Excusez-moi, j'ai tapé dans le micro. Poséidon. Non. Aphrodite. Vas-y, ça mange pas de pain. Ah, par contre, Héphaïstos. Oh, ça fait tellement du bien. Et maintenant, faudrait trouver quelqu'un afin de le soudoyer. Il est où? Oui, d'accord, ok. Faudrait trouver... Alors, diplomatie, là. Genre Sparte, là, par exemple. Vous avez... Non. Qui est du bronze? Personne. Oh, mais eux, ils ont plein de trucs, là. Non, mais attends, vas-y, on fait un échange, wesh. Échange ponctuel, par exemple. Contre. Ah. Ça fait combien si j'enlève un 0? Ah, quand même. Ouais. Ouais. Non. Uh-huh. 20 000 de nourriture contre 4 000 de bronze. Et ça passe. Est-ce que je peux trouver quelqu'un d'autre qui vend le... Qui est genre full... genre eux, là. Je fais un échange. Ok, donc déjà, chez eux, je peux en prendre plus. Ça, c'est pas mal. Et qui c'est qu'il y en aurait d'autres, là? Et qui en aurait pas besoin? Efface et un. Ça, c'est au nord, ça, non? Inamical. Non, mais regardez. Regardez. 20 000. L'accord, il est vachement amélioré. On est bien, là, non? On est tous copains, merde! Ah non, c'est encore pire, j'ai l'impression. J'ai rien dit. Excusez-moi, je reviens. Et qu'est-ce qu'il reste? Il reste eux, éventuellement, mais eux, c'est pareil, c'est des tocards. Mycénariens. Non, mais go... Non, attends. C'était Knossos ou... Comment il s'appelle? Putain, mais lui, il a 16 000! Oh là là! Pourquoi ces ressources, tu les as pas quand tu vas les piller? Et là, par exemple. Ah, chez eux, je peux gratter encore plus. Non. Oui! Let's go! Et voilà! Comment on récupère du bronze, les enfants? Voilà, comme ça, au moins, on est tranquille pour un moment.
Bon, j'ai fait les prières, les hécatombes et tout le bazar, mais au moins comme ça... Au moins comme ça, ils nous foutent la paix. Alors, donc nous allons continuer sur notre lancée de bâtiments pour la nourriture. Nourriture, nourriture. Ok, qu'est-ce que je peux faire d'autre ensuite? Là. Nourriture. C'est quoi, c'est le gros ou c'est le petit, ça? Non, c'est le petit. Bref, pas fallait faire le gros, c'est pas grave. Là, on est à combien en ça, là? Ah. Changement par tour, 0. Pas un bâtiment qui fait du bonheur, un peu, non? 25! Oh! Ça peut pas faire de la croissance, ça, ce truc, non? Chier! Pas une ville à bois quelque part? Alors, ça là. Il n'y en a pas un qui fait de la croissance dans le tas? Non? Ah non. C'est relou. Bon, c'est pas grave. Au pire, on les mettra avec ça en moins. Ça fera 5. Histoire qu'on passe au moins en positif. Le bois, est-ce que c'est vraiment utile? Ouais, ça sert toujours. Ah bah voilà. Lafti, mais de toute façon j'ai plus de ressources, là j'ai plus rien les enfants. Je n'ai plus rien du tout, je suis à poil. Je suis à poil. Bon écoutez, on va au moins se faire un dernier tour. Parce que je refuse de laisser ces impétueux petits nordistes venir me casser les roupettes. Et s'en tirer comme ça et pouvoir faire la Java dans ma ville. Je trouve que c'est hors de question. Donc je pense que le dernier move qu'on va faire, c'est au moins d'aller leur casser l'anus. Et j'insiste bien sur casser. Alors toi, va faire un coulo. Voilà, merci, au revoir. Ah, ça c'est bien. Alcimos. C'est lequel? C'est celui-là? Ah oui. Ah, parfait. Et là, tintin. Surprise. Ah, vas-y. Franchement, je lui casse la gueule maintenant parce qu'il m'a tellement saoulé. Alors, voyons voir si on prend... Oh. Ah, ils ont enfin pensé à enlever ce slip de l'enfer, là. Qu'on voyait tout, là, que c'était dégueulasse. Bon, c'est toujours moche, vous l'accorde. Mais bon, au moins, comme ça, voilà, ça fait quand même ça en moins. Eh bien, voilà, sur cette dernière bataille, je pense qu'on va en rester là pour aujourd'hui. Bon, je vais reprendre ma ville, bien évidemment, hein, je ne suis pas con. Je pense que nous allons donc en rester là pour aujourd'hui, mes chers petits. Je pense qu'on a... absolument pas avancé. Non, si, on a plus de guerre de ce côté-là. Alors, eux, je ne sais pas ce qu'ils vont faire de leur life. On verra. Mais au moins, on va pouvoir se concentrer sur la reprise du sud. Avec cette petite ville, quand même. Hein, parce que ça, c'est la petite épine au bout du sgeg, quand même, qui me reste en travers de la gorge. Et on va pouvoir, enfin, se concentrer sur les guerres du nord. Afin de grignoter petit à petit tous ces territoires-là. Pouvoir aller sur la trace. Et enfin... se rendre chez Paris de Troyes pour lui faire une petite visite de courtoisie. Allez, à la prochaine.